Bon, ça va Aurélien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, j'ai galéré un peu à installer. Mais c'est quoi ces armes de destruction T'aimes encore? pas? C'est pour te défendre? C'est pour faire de De l'ASMR? Tu fais de l'ASMR. l'ASMR? Non, non, certainement pas. Toi t'aimes pas? Aurélia ASMR, pourquoi t'aimes pas ça? Non, j'aime pas, c'est angoissant un peu. Ah bon? Bah, moi j'aime bien. Aujourd'hui, on va se voir Aurélien, on va se voir le gabarit du véhicule. Ok. D'accord. Tu vois ce que c'est le gabarit? Oui, c'est la taille, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la taille, le volume extérieur du véhicule. Alors, le gabarit, quand on parle du gabarit, je suis encore en train de chercher un stylo. Il est là. Quand on parle du gabarit, on parle aussi bien de la longueur, la largeur, la hauteur. La hauteur. Alors, la hauteur, je dirais que si on a un véhicule comme le nôtre, il doit faire 1m60, ça passe sensiblement partout. Okay. Maintenant, c'est un véhicule comme ça doit faire pas loin de 2m40. T'imagines bien que si tu passes sous un portique qui fait 2 mètres, il va manquer des pièces. Ouais. Maintenant, si tu mets une galerie sur ton toit ou un... Ça, c'est mon rétro. Si tu mets une galerie sur ton toit ou des vélos, tu as intérêt à connaître la hauteur précise avec la dite galerie ou le dit vélo. Okay. C'est bon ça? Oui. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, la largeur. Potentiellement, les roues arrière, elles prennent le chemin le plus court pour attraper les roues avant. Donc, pour pallier à ça, en fait, un bus qui va tourner à droite dans une rue étroite, il va avoir deux solutions. Soit il va s'écarter avant pour écarter l'arrière et tourner dans sa voie, soit il va tourner beaucoup plus tard et il va être obligé de prendre la voie d'en face pour pouvoir tourner. D'accord? Bon, vu que ces roues, elles sont là, il n'y a pas de souci, ça passe quand même, quoi. C'est bon? Nous, on est une petite voiture. Ok. C'est-à-dire que ça, Bah non, du coup. bon, on ne le fait pas. Voilà, on est d'accord. Donc, en fait, nous, on va surtout travailler sur la Genre. du véhicule. Alors, la largeur. Potentiellement, quand tu as un trottoir que tu viens de garer ou le longer à droite, tu travailles le gabarit de ton véhicule. En fait, comment on va faire? Ben, on va se resserrer petit à petit, on va contrôler dans le rétro à droite, voir où on est placé par rapport au trottoir et puis s'aligner par rapport au trottoir. Donc potentiellement, tu travailles le gabarit. Quand tu es vraiment collé au trottoir, potentiellement, il y a une partie de la voiture qui est au-dessus du trottoir. Oui. On a lui. Si tu longes le trottoir et qu'ici, il y a un piéton, si tu lui mets le rétro dans la poire, il va avoir mal. Et du coup. On est d'accord. Maintenant, s'il y a une barrière et que tu tapes la barrière, Bah, le rétro, il... ouais, tu risques de Ouais. péter ton rétro. Donc, potentiellement, il va falloir en être conscient, que tu en sois consciente et que tu te déportes de ce qu'il y a besoin. 20, 30, 40 cm du trottoir pour être le plus écarté possible. Et si tu passes plus vite, bah, on va être encore plus loin pour laisser un espace latéral suffisant. Maintenant, si toi, tu doubles une voiture qui est à l'arrêt, donc on va dire c'est cette voiture qui est à l'arrêt, potentiellement, tu estimes que ça ne passe pas à deux. Il y a un véhicule en face, tu le laisses passer. Oui. Il n'y a plus personne, tu t'engages. Quel est l'intérêt de se coller à cette voiture, vu que tu as estimé que ça ne passait pas à deux? Tu prends la place dont tu as besoin. Et il va falloir que tu sois conscient d'une chose, c'est que non seulement toi, tu as un rétro à droite, mais lui aussi, il a un Okay. rétro à sa gauche. Donc, il va falloir t'écarter d'autant plus. C'est bon? Maintenant, on va oublier cette rue, on va passer sur celle-là. Maintenant, s'il y a des véhicules, on va dire que tu es à sens unique. Bon, je vais le redessiner parce qu'il y en a, ils vont me dire, ah, je comprends pas. Évidemment. Ah bah oui, ça c'est ce qui a été dessiné. On va y arriver, on va y arriver. Donc, potentiellement, tu es dans une rue à sens unique et il y a des véhicules qui sont garés des deux côtés. Donc maintenant, c'est relativement simple. Quand tu vas arriver comme ça, déjà, c'est très simple. T'as un rétro à gauche, un rétro à droite. Plus tu as un doute, plus tu vas Ralentir. ralentir.
On va adapter l'allure en fonction de ton ressenti. On va regarder la trajectoire. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les rétros. Mmh. Pas ce qui se passe dedans, mais lui. Pourquoi? Parce que si lui passe... L'autre il passe aussi. Ouais, non, si lui passe, tout le reste de la voiture passe. C'est ça. Il n'y a pas de question piège. Okay. Donc, on va checker à gauche et à droite, adapter notre allure et notre trajectoire. Plus on a un doute, plus on ralentit. Si le doute persiste, on s'arrête. On s'arrête, effectivement. C'est bon ça? Oui. Et il va falloir quand même anticiper les choses parce que c'est un véhicule qui est mal stationné. Il va falloir anticiper parce que c'est pas une fois que tu es là qu'il faut t'en occuper. Non, il va falloir arriver dans une trajectoire de manière à pouvoir le contourner. Okay, quoi. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça paraît clair? Donc, plus on a un doute, plus on ralentit. Si le doute persiste, on fait quoi? On s'arrête. On s'arrête. Parce que les ça passe, il n'y a que le toit qui glisse sur leur voiture. C'est bon? Oui. On va aller voir ça. Ça va beaucoup te plaire. Ah, je suis pas sûr. Mais si, mais si. Vas-y, tu peux mettre en route le moteur. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. On contrôle ce qui se passe autour et si on peut y aller, on y va tranquillement. Voilà. Super. Reste bien à droite, à droite, à droite. Regarde comment t'étais proche. Et on va s'arrêter en douceur en reprenant l'embrayage. On ira. Alors, ouais, prends l'embrayage avant, laisse glisser la voiture. C'est le seul cas à cette allure où tu peux prendre l'embrayage et laisser glisser la voiture. Garde l'embrayage à fond ou mets le point mort. Moi, je vais garder l'embrayage. D'accord. Voilà, j'allais dire on va freiner parce qu'on était en train de reculer doucement, mais on reculait. Allez. À droite. Allez, on accélère et puis on met la 2. On va s'arrêter au feu en freinant et en prenant l'embrayage. On freine et on adapte sa trajectoire pour pas rouler sur la bande cyclable. D'accord? Okay. Et on ira. On ira où? À droite. Ouais. Allez, on peut y aller. Prépare ta main pour tourner. Voilà. Encore. Et on accélère. Donc là, potentiellement, on a des véhicules qui sont stationnés à notre droite. Effectivement, on ne va pas se serrer à droite. On va serrer un petit peu à gauche de notre voie sans aller dans l'exagération. Allez, on garde l'allure et on met la 3. Là, au loin, c'est pas grave. Là, au loin, tu vois la voiture rouge, elle est mal garée. Lâche l'accélérateur. Elle est mal stationnée, tu vois, celle-là. Elle est stationnée comme il faut, mais vu qu'elle est large, elle se déporte par rapport aux autres. Et bien ça, c'est des éléments qui mêlent à deux, qu'il va falloir détecter assez tôt, comme la blanche au loin. D'accord? Alors, serre pas trop non plus. Voilà, serre pas trop à droite, parce que, tu vois, on contrôle à gauche, où on est placé. Tu vois, la blanche, là, elle est mal stationnée. Ça, c'est des véhicules, il faut les détecter assez tôt. Alors, va un peu moins vite. Ce qu'on va faire, on va aller à droite. On va aller à droite, en face en fait. Ah oui. En face. Lâche l'accélérateur. Lâche. Et on repart tranquillement. Alors, à la prochaine, on va tout droit. On a cédé le passage, on fait quoi? On freine déjà. Si on peut y aller, on y va. Voilà. Il a cédé le passage aussi. Alors, si tu n'es pas à l'aise dans ce cas-là, freine, prends l'embrayage. On va aller à droite à la prochaine. Ouais, il faut contrôler avant. On va freiner doucement. Voilà. Laisser glisser si tu es à l'aise. Et on repart. Je dois mettre le clignotant là pour dépasser. Si tu veux le mettre, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Enlève ton clignotant maintenant. Alors là, à ton avis, vaut mieux serrer les voitures ou la ligne blanche à gauche? Bah oui. Parce que là, t'étais en train de te serrer aux voitures. Tu vois, la voiture noire, elle est, lâche l'accélérateur. La voiture noire, elle est mal stationnée. Ça, c'est des véhicules, il faut que tu les détectes assez tôt pour pouvoir pallier à ça. Te resserre pas trop tôt pour les voitures. Attends bien de les avoir dépassées avant de te resserrer.
On va maintenir à 30 km/h pour le moment et dès qu'il y a un truc, on lâche l'accélérateur. Là, on va lâcher l'accélérateur pour le passage piéton et on raccélère. Là, tu es en train de te serrer encore à droite. Ouais. Tu étais en train de te resserrer à la voiture. Allez, on revient. Et là, idem, on va se redécaler puis on va serrer à gauche. Il n'y a pas de vélo en face. Maintenant, s'il y a des vélos, et tu vois, le fait de serrer à gauche, ça peut pallier aux ouvertures de portière. Lâche l'accélérateur pour le passage piéton. Et si on peut y aller, on repart. Au loin, il y a une intersection. Est-ce qu'on est prioritaire? Non. Ah bon? Bah, je sais pas, c'est pas prioritaire à droite. Il y a quoi? Il y a un... Stop. Ils ont un stop. Ah. Bon, après, je suis d'accord qu'il est mal dessiné. On avance doucement. Ouais. Et on va s'écarter doucement et on accélère. À la prochaine, on ira à droite. On va freiner, prendre. Voilà. Arrête-toi doucement. Arrête-toi. Ouais, mais il y a un sas cycliste. Un petit peu droite, non? Tu trouves? Ouais, je trouve. Non. Mais la une. Ah oui. Allez, si on peut y aller. L'accélérateur, là il va s'écarter. Regarde, il y a le scooter, on peut pas se rapprocher du scooter. Hop. Et on reste positionné comme ça par rapport au véhicule. S'il y a un véhicule en face, à ce moment-là, on va ralentir, on va adapter notre positionnement. Ok. Et on va tout droit et on ira à droite au feu. Pour le moment, on va tout droit. Là, on est prioritaire sur l'intersection. Allez, prends ta place, regarde où tu vas et fais les choses comme il faut pour aller là où tu dois aller. Voilà, très bien. Et on repart. Ce qu'on va faire à la prochaine intersection, on ira à droite. Voilà. Alors là, je vais te conseiller fortement de ralentir. Mettre la une, garder le frein. Voilà, reparti tranquillement. Tu tournes un peu tôt et tu n'as pas contrôlé l'angle mort pour la bande cyclable. D'accord? Et on ira à gauche. À gauche. Donc là, idem. On n'accélère pas trop. Tourne pas trop tôt. Maintenant. Voilà. Et on redresse. Et là, ce qu'on va faire... On va prendre l'embrayage. Prends l'embrayage. Okay. Voilà. Et en fait, on va en profiter. On va s'arrêter tranquillement. Et on va regarder un peu l'espace entre les rétros. On va avancer doucement. Voilà. On va reprendre l'embrayage. Et on va... lâche le frein. On avance doucement. On reprend l'embrayage. Et ça nous permet, tu vois, de voir à droite et à gauche. Et là, à ton avis, tu vas plus vers la droite ou vers la gauche là? Avance doucement. Là, je suis plus vers la gauche. Et le danger, il est où? Bah, t'es au côté, il y a des poubelles. Ah bon? Là, il y a quoi à droite? Un vélo. Ah ouais? Et il y a quoi d'autre? Non, mais il y a quoi d'autre à droite? Bah, je sais pas. Là, vaut mieux serrer à droite ou à gauche? Actuellement, là, maintenant. À l'état où on est, vaut mieux serrer. Ah oui, parce que vaut mieux toucher le trottoir que les voitures. Oui. Bah, pourquoi on serre à gauche alors? Eh ben, on avance et puis on serre à droite. Serre à droite, t'es pas assez à droite. Voilà. On reprend l'embrayage. Et là, idem, vaut mieux toucher les poubelles que les voitures. Maintenant, on va essayer de toucher ni l'un ni l'autre. Il n'y a plus de poubelles, on resserre. Voilà. Tu vois, et là, il n'y a plus rien. Bon, on s'écarte un peu. Puis on revient avant de tourner, on va aller à gauche. Reviens un peu. On va reprendre l'embrayage. Reprends l'embrayage. Voilà, laisse glisser, tourne pas trop tôt, regarde. Il n'y a personne, on tourne tout, et on reprend l'embrayage. Et on redresse. Tu
Tu vois, ça te permet de stabiliser l'allure d'être. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, idem, le danger pour nous, il est à gauche ou il est à droite? Il est à gauche. Et ben, on fait quoi? Bah, je suis sérieux. Bah, regarde l'espace qu'il y a là. Tu vois? Vaut mieux toucher le trottoir. Là, t'es bien. Mais arrête de t'écarter. Hein. Okay. Voilà, là, t'es bien. Et on ira à droite. En fait, le gabarit, c'est prioriser le danger. Freine, 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 freine. Voilà. Après lui, bah après l'autre, on va pouvoir y aller. Et on repart. S'écarte vraiment, vaut mieux prendre la ligne que la voiture. On freine doucement et on met la 2. On relâche tout doucement l'embrayage en freinant et on repart. Reste à droite, n'accélère pas trop. Regarde ta sortie, regarde ta sortie. Tu comprends pourquoi je te dis allez, voilà, et on met la 1, on laisse passer le monsieur. Tu comprends pourquoi je te dis regarde ta sortie? Allez, vas-y, on peut y aller. Et on repart. Et on met la 2. Voilà, on va s'écarter, clignotant, angle mort. Et on revient. On lâche l'accélérateur et puis on va s'arrêter en douceur. Bon, il va tourner. Il va arracher toutes les bitoches en plastique là, mais. Oh, moi je conduis pas jour d'engin. Hein. Allez. Même pour lui, il s'est bien démerdé. Je suis mauvaise langue. Hein. Ouais, ouais. Hein. T'as vu ça? Et là, on est passé là tout à l'heure, on va aller où? À droite. Ouais. C'est orange fixe là. Prends l'embrayage. Oh, j'ai redémarré en douceur tout à l'heure. Bon, tu vas faire quoi de beau aujourd'hui? Il faut que je fasse mon parcours sup. Ah, pour l'inscription pour l'année prochaine? Ouais. Et après, je vais voir, acheter des vêtements, je pense. Tu vas faire quoi l'année prochaine? Je sais pas. Faut que je regarde bien sur parcours sup. Bon, t'as des nouvelles pour le boulot? Non, au final, ils me prennent pas parce que je suis partie en mauvais terme avec mon ancien McDo. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire? Bon, je suis partie sans les prévenir. Ah, t'as fait un abandon de poste? Oui, voilà, exactement. C'est ce que j'ai fait. Ah ouais, bravo. Bon, ils ont pas trop kiffé, je crois. Tu bossais où au McDo? Et reste à droite. Reste à droite. On roule où? Ah là, je suis un peu mieux. Ah bah oui. Ah, de te cramponner au volant, les deux mains au même niveau. C'est pour ça que je te dis que t'es trop proche de ton volant. T'es comme ça. Moi j'adore. Ouais, tu fais comme tu veux, à partir du moment où tu me tournes correctement le volant, moi ça me va. Bah, je tourne bien mon volant. Enfin, ouais, freine tranquillement. Parce que je suis pas très convaincue. Bah, tu le tournes pas mal, mais en tout cas, t'es pas souvent à ta place. Ouais, parce que l'autre rigole, on dit que je le tournais trop mal. On dit, mais c'est pas possible que t'aies déjà fait 15 heures en tournant comme ça. Allez, vas-y. On avance doucement. J'ai encore redémarré en deux, mais je suis vraiment pilote. Allez, 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 allez.
et on ira à droite. Prépare ta main avant de tourner. Freine, prends l'embrayage. Tourne tout. Prends l'embrayage. On met la une. On avance doucement et on redresse. On redresse. Regarde, regarde. T'as vu comment on est passé proche? Non mais faut regarder devant aussi. C'est un coup d'œil les rétros. Voilà, parce que si tu regardes que les rétros à la fin, c'est pour ça que t'as du mal à avoir une bonne trajectoire. Tranquillement. C'est où là? Ah, je sais pas, à ton avis. À voilà. Ah oui, j'ai pas vu là. Et là, le danger pour nous, il est où? Il est à droite. Ouais. Bah, je suis un peu à gauche là, non, trop fort. Ouais, si, c'est bien. On peut mettre la 2 peut-être. Permet de gérer l'arrivée sur le dos d'âne et notre trajectoire sans monter sur le trottoir, ce serait tellement mieux. Voilà, tu peux monter dessus aussi. Ouais, disons qu'il a rabaissé donc on l'a pas senti, mais la roue arrière elle est un peu passée dessus et encore t'as corrigé hein. Okay. Parce qu'au début, comment tu tournais, on était parti pour redescendre là où c'est pas rabaissé hein. Et on va tout droit. Allez, on avance. Vraiment, allez, vraiment sans accélérer. Le but c'est pas de prendre de l'allure et on revient vraiment. On passe loin de tout, on reste à droite, à gauche, pardon, on reste encore à gauche et on revient vraiment maintenant. Vraiment, je reviens. Voilà, et on repart. Putain. Je passerai jamais dans cette course. Arrête de te plaindre. Je me plains pas, je constate que c'est insupportable. Bah, il te va bien alors. Ah, c'est l'air de toi. Ouais, je suis content de moi. On ira à gauche. Voilà, et on avance tout doucement. Doucement, doucement. Pourquoi t'accélères? Bon, je sais pas, j'étais... Bah, le but, c'est quoi? C'est de gérer sa trajectoire ou son allure? Là, dans la priorité, c'est d'être à sa place. Et là, t'accélères et puis on fait comment? Et là, on peut raccélérer et mettre la 2. Allez, on met la 2. Voilà. Reste là. Alors, arrête de prendre ton volant et de le pousser. C'est où tu fais ça, où tu le tires. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu le pousses, tu mets des grands coups d'un coup. On ira à gauche. On va freiner, prendre l'embrayage, mettre la une. La une. On avance doucement. Voilà. Allez, allez, faut tourner. Mais je tourne, je peux pas le plus tourner ton volant. Ouais, non, faut le tourner plus tôt, c'est surtout ah, ça. Ok. Et on revient, là le danger il est à gauche, on part à droite. On avance. Allez, on met la 2. Et t'as l'autre main qui vient pour pousser. Non, c'est juste je tire et je laisse glisser. Ou je décale comme ça. Okay. D'accord? Mais pas de. Hop, je pousse avec l'autre main.
accélérateur. Ah oui, j'ai accéléré, mais toi tu l'as gardé. Ok. On est d'accord. Lâche l'accélérateur complètement. Voilà. Tu me mets dans cette voie? Ouais, et on ira à droite. Voilà, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Il y a le sas cycliste. Reste à droite. À droite. Regarde où on est placé. Bah, voilà, faut pas serrer bien. Plus. Hein. Ah ouais. Ah ouais, mais il prend de la place. Ah ouais, mais bon. Va pas. C'est soit tu passes parce que tu estimes que ça passe, mais va pas plus sur à droite quoi. On va à droite. Ouais. Reste à droite. Voilà. Oh, c'est trop chiant. On peut mettre la 2. Alors, est-ce qu'on pourrait pas accélérer un petit peu plus avant de mettre la 2? Un petit peu plus. On roule vite là, carrément, je trouve. Ouais. Ah, bah, c'est bien, pour une fois, t'as. Serrer un petit peu à gauche, lâcher l'accélérateur, freiner, mettre la une et repartir. On va s'écarter des, voilà, des trucs en plastique, ça m'arrangerait. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben on ira à gauche. On va freiner, prendre l'embrayage, mettre la une, freiner, freiner, et repartir. Voilà. Super. On accélère encore et on met la deuxième. Par des rues où ça nous fait bosser ce qu'on est en train de bosser. Je connais pas toutes les rues de Tours. Moi non plus, je te rassure. Mais j'en connais beaucoup. Prends l'embrayage, freine, si
on peut y aller. Voilà. Et là, le danger pour nous, il est à gauche. Voilà. On peut mettre la 2, juste la 2, sans accélérer davantage. Voilà. Tu vois, tu vas pas plus vite, mais le moteur il fait moins de bruit. Puis il consomme moins. Ça me détend de rouler lentement, tu vois. Hein ? Là, ça me détend de rouler lentement. J'ai envie de rouler vite. Ah bah, c'est bien. J'ai dit viens pas te coller plus. Ah non, je voulais me coller plus à... Ouais, bah oui, j'ai vu. Mais quand on va repartir, on va falloir reculer après. Dans 2 secondes, j'arrive. Ah ouais, s'il te plaît. J'ai oublié de mettre le panneau de toit. Ah ouais, là, que je suis débile. Oh, ils ont pas besoin de ça pour le croire. C'est insupportable. Allez, vas-y, on est reparti. Sans le frein à main, c'est mieux. Oh là, on se... Allez, contrôle ce qui se passe autour. Ouais, mais depuis. Non, bah, parce que là, c'est pendant les vacances. D'habitude, il n'y a pas autant de place d'ailleurs. On ira à droite. Allez, on peut avancer un peu. Bah, j'ai trop envie. Et on va à droite. Ouais, du coup, tu sais pas ce que tu veux faire l'année prochaine ? Non, pas trop encore. Bah, je vais en fonction des résultats, par contre. Ouais. Mais je vais mettre quelques facs et tout, je sais pas, je vais... Ouais, tu voulais pas tenter le concours de l'école de commerce ? Si, je vais le faire. Bah, ça, c'est bon, je me suis inscrite. Et à côté, je vais quand même mettre des vœux dans Parcoursup. Là, ouais, tu veux tout droit. On freine. Si besoin, tu prends l'embrayage. T'as compris pourquoi je te disais si besoin, tu prends l'embrayage ? Ça. T'aurais pris l'embrayage mille à une, t'aurais été 10 fois plus à l'aise. Mais non, je suis trop à l'aise là. Bah oui, bon, ça c'est pas vu. Là, faut mettre un peu de piquant parce que là, je suis à 20 depuis tout à l'heure. Enfin, un peu de folie quoi. Garde les folies pour le Pimps. Ah oh non, je suis mort. Ouais, tout droit. Bon, t'as rendu le pull à ton pote ? Non, toujours pas. Toujours pas ? Non, non, non. Après, il m'a dit qu'il le mettait plus trop. Hein, ah oui. Moi, ça me va, ça m'arrange. Même là, je crois qu'il y a rien qui est à moi. Genre, le pull il est pas à moi, le jogging il est pas à moi, les chaussettes elles sont pas à moi. Non mais. J'ai tout droit. Ouais, tu fais attention à lui quand même. J'ai mon petit clignotant. Oh là là, carrément en rue nationale quoi. Arrête de te plaindre. Non mais. Il y a la ville et la ville là, on est vraiment dans le centre. Ouais. Ça pourrait être pire, hein, on pourrait être samedi après-midi. Attends, on freine, feux, on freine, moi, on freine, on enlève le clignotant, on met la une. On avance doucement. S'il s'allume, on s'arrête. Si les feux s'allument, là, il n'y a pas de piéton. Allez, on avance. Allez, on avance. Bah, je roule. Ouais. C'est pas facile. Non, mais là, ils sortent de partout, les piétons. Allez, on... Ouais, essaye d'accélérer un peu plus avant de mettre la 2.
tout droit. Attends de voir le feu déjà. Voilà. Mais t'inquiète, c'était prévu. Ouais. Mais ça va. Oh. Bon, du coup, t'as pas d'autres pistes pour le taf? Non, je cherchais encore là. Je me dis, quand je serai peut-être permifié, ça sera plus simple. Genre pour permifié. Ah, mais ça, ça veut rien dire. Ah ouais? Permifié. Quand j'aurai, quand je serai titulaire du permis, j'espère avant septembre, du coup, parce que bon, on m'a dit d'un coup de chaud. Avant 2025, quoi. À droite, n'accélère pas s'il te plaît, reste à droite sans exagérer, on freine. Attention à la poussette. T'as envie de rouler plus vite? Ouais. À droite, menteuse. Je te jure que oui. Avec le clignotant, qui est pas que nous qui sachions où on va. Je pensais que c'était une route. Bah, toi, t'es obligé d'aller à droite. Est-ce que les piétons, ils le savent que t'es obligé d'aller à droite? Non, je pensais juste que c'était un. On va tout droit. Attends, j'avoue, à chaque fois, il fait super chaud dans ta voiture. Pourtant j'ai mis 21, hein. Alors, peut-être pas de mon côté, voilà. Mais il y a l'effet de serre avec le soleil. Tout droit ou tout droit, ouais. Après je vais tourner. Tout droit, tout droit. Thank you.
spécialement. Ouais. Freine un peu. Moi je freinerai un peu. De loin la camionnette. Ouais, là, va falloir en rajouter du frein, mettre là une. Parce qu'entre la camionnette et la voiture à gauche, les piétons, tu vois, ouais. Ça passe pas de beaucoup. Hein. Et on vient s'arrêter au stop. On vient s'arrêter. Voilà. On s'arrête au stop. Mais on va où? Comment ça va? Où est-ce qu'on va? Tout droit. Ouais. Donc pourquoi on s'est resserré à droite alors qu'on va là-bas? Tu vois, donc là en fait tu es en train de gérer je sais pas quoi l'intersection avant de gérer ton arrêt et c'est pour ça qu'on est mal placé. Okay. D'accord, allez vas-y. Pas speed. T'as vu ? Ce matin, je suis délicate. Mais là, de... ouais, je suis impressionné. Ouais. T'as de quoi l'être ? J'étais pas habitué. Oh, c'est bon. Lâche l'accélérateur. Oh, non, non, arrête de me dire cette phrase, par pitié. Hein ? Arrête de me dire cette phrase, j'en peux plus. Eh ben, arrête d'accélérer. Oh là là. Ouais. On va traverser toi. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que tu as envie de rouler plus vite? Bah ouais, c'est ligne droite, voilà. Là. Non. La petite dame, non, c'est moi qui... Bah elle a pas... Bah elle a pas envie de traverser. Bah oui, elle a attendu. Regarde, elle fait quoi là? Regardez le, les bah, oiseaux. Ouais, ouais, c'est ça. Je te jure, quand je l'ai vue, hein, mais alors, ça faisait, elle était déjà là. Bah elle bon. Attendait. Oui. Bah elle attendait que tu t'arrêtes. Je suis impressionné. Ah, c'est dingue. Non, non, c'est bien aujourd'hui. Je suis content. Je savais que ça te ferait du bien de travailler le gabarit. C'est depuis qu'on m'a dit que j'aurais pu avoir mon permis en septembre, ça m'a fait mal au cœur. Du coup, elle s'est dit, je vais m'appliquer maintenant. Ouais. Non, mais je suis choquée. Hein. Je te jure, je suis encore choquée. Non, je te jure, ils m'ont fait conduire en automatique, Fabien. C'est trop la honte. Jusqu'à l'heure, je suis arrivée, j'ai pas compris. Il manquait une pédale. Je lui ai dit, mais je comprends pas. Non, franchement, non. Non mais là ok c'est ton gabarit de ta voiture mais après les autres voitures c'est tout la même chose. Bon si tu sais le faire avec une, tu sais le faire avec imagine que j'ai une Porsche Cayenne pour ma première voiture. Je sais comment après. Je te déconseillerais d'acheter une Porsche Cayenne en première voiture. À toi personnellement. Ah. Je pense pas que les assureurs ils me laissent en plus. Ouais. T'as les moyens d'acheter une Porsche Cayenne? Oh non déjà. T'es en deux. Oh, ouais. Doucement, doucement, n'accélère pas. Je vais accélérer ? Bah regarde. Reprends l'embrayage, mets la vue. T'étais en train de te serrer à gauche pour essayer d'éviter le vélo. Ah, moi je vais pas percuter. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on percute pas les trucs en plastique. On les ira trucs à droite. En plastique. Bah les bitoches en blanche là. Ah ok, je vois. À droite. Thank you.
Ouais, mets-le. C'est une bonne idée, hein, de le mettre. En fait, le clignotant, c'est très simple, hein. Si tu te poses la question s'il faut le mettre ou pas, c'est qu'il faut le mettre. Bah, tout droit, du coup. Bah oui, dans ce cas, ralentis. Okay. Je pense que c'est un truc qu'on vient de voir en plus. Oui, mais... on vient juste de travailler le gabarit. Et là, tu me dis, bah, il y a des voitures en face. Ouais, mais est-ce que tu crois que si on prend celle de droite, c'est mieux? Je préfère prendre une voiture à l'arrêt que... Ah, bah moi, je préfère que t'en prennes aucune des deux, tu vois. Et pour en prendre aucune des deux, il faut travailler tel qu'on a travaillé tout à l'heure, c'est-à-dire adapter son allure et sa trajectoire. Là, tu... Il y a des voitures en face, tu gardes la même allure et tu te sers à droite. On va à gauche. Accélère pas, c'est 30. Hein? Maintiens à 30, mais tu réaccélères pas une fois que t'as mis la 2. Il y a vraiment des gens qui la prennent à 30, cette route. Bah oui. J'aurais permis. Alors tu peux lâcher. Tu peux lâcher l'accélérateur quand tu montes ou descends les deux dalles. Allez, on accélère et puis on met la 3. Bah donc tu fais comme tu veux, mais si tu roules à 50, c'est un point en moins. Okay. Et 90 euros d'amende. Je suis sûr qu'il y en a plein qui roulent à 50 ici. On va tout droit. Bah fais comme tu veux, mais si tu fais comme ça, tu vas pas le garder longtemps ton permis. On va tout droit. Bon déjà va falloir l'avoir avant. Ouais, c'est pas. Et ça c'est pas gagné. Ah oh, arrête. Tu vas pas désespérer. Ah par là-bas. Tout droit c'est ça? Non, encore. Celle-là.
n'y a personne. Ouais, mais si tu sélectionnes quand il y a quelqu'un et quand il n'y a personne, à la fin tu le mets plus du tout. Il y a plein de gens qui mettent pas leur clignotant en sortie de giratoire sur ce portail. Ouais, bah, c'est parce qu'ils se disaient un jour, bah, y a personne, y a pas besoin. Et petit à petit, ils le mettent plus du tout. Je comprends. J'avais espoir qu'il passe au vert. Ah oui. T'es d'accord avec moi? Mais... encore en deux. Mais est-ce que j'ai calé? Allez, vas-y. Et on met la 3. Non, mais c'est pas bon pour l'embrayage au bout d'un moment. Tout le monde redémarre en une à chaque fois? Ouais, on freine tranquille. Bah, sinon, achète une boîte auto, t'auras pas à gérer les vitesses. Bah, non, sinon, je me serais pas cassé la tête à passer mon permis en boîte malade. Je freine. Allez, on relâche et on repart. Tu veux que j'aille où? Tout droit. Regarde, tu vois, il y a une dame et je lui ai dit que j'allais à droite. Ouais. Est-ce qu'il y avait une dame? On ira à droite. Quand même, hein, voilà. Je descends? Ouais. Mais on va s'arrêter derrière la voiture blanche, pas grise. Laquelle, là-bas? Ouais, la 206. Bon, la deuxième 206, du coup. Parce qu'en fait, il y en a deux. Là-bas. Prends l'embrayage. Mais je l'ai pris? Non, à fond. Ah. Voilà. Et on s'arrête tranquillement. Point mort. Frein à main. Bon, c'est pas mal. Maintenant, le gabarit, on le travaille pas que quand on veut. Oui. Et quand il y a des voitures en face, on le travaille aussi. Hein. Oui. On va faire une pause de 2-3 minutes et puis après, on va voir les voies d'insertion. Oh, on va rouler vite. Allez, check. Ok. On va rouler vite. On va rouler vite. Ouais. Et là, elle va être en panique. Ouais, c'est vrai.